J'étais pas DJ avec les TKS, j'étais surtout danseur. Je faisais aussi du graffiti, mais j'étais danseur. Donc le TKS, c'est The Criminal Stars. C'est un des premiers groupes parisiens à allier toutes les disciplines du hip-hop. Donc c'était notre particularité, c'est grâce à ça qu'on s'est fait connaître. Et voilà, donc j'étais danseur au sein de ce groupe et je me débrouillais pas mal. Voilà. Ouais, effectivement, en 95, la Coalition on a signé un contrat avec la maison disque BMG. On a sorti quelques petits maxis, mais bon, c'est vrai que l'axe sur lequel BMG voulait travailler n'était pas forcément là où je voulais aller. Du coup, on s'est séparés d'eux. Mais il n'empêche que voilà, quand on s'est séparés, on a fait des petits maxis en indépendant. On a eu la chance d'avoir été repéré par Cut Killer qui nous a mis sur une de ses compilations, enfin plusieurs de ses compilations. Donc voilà pour la petite aventure Coalition. Et c'est vrai que c'est à travers ce groupe que j'ai fait mes armes en tant que rappeur quoi, dans le hip-hop. Ouais, j'ai composé un son sur effectivement l'album de Bustaflex qui s'appelait Ma Force. Donc voilà, puis avec Bustaflex, c'était de longues années d'amitié également, quoi. Donc on a fait pas mal de choses ensemble. Je rappe avec ma force, tu connais ma technique. La force vient de moi car la vidéo technique. Ton cerveau, yeah, tu sais ce que ça vaut de critiquer. J'ai pas toi à perdre avec les ragots. Bah en fait, j'ai toujours été un peu producteur dans le sens où je composais, enfin déjà même à la base, il y a très très longtemps de ça, j'avais déjà un poste double cassette avec lequel je faisais des remixes, j'enregistrais sur un, je coupais, je rembobinais, je remettais un bout, et donc je faisais mes remixes comme ça. Donc j'ai toujours eu cette notion de composer de la musique avec rien. Pour moi, c'est un peu l'art du hip-hop, c'est de faire des grandes choses avec rien. Donc j'ai commencé comme ça à toucher un peu au son, après je me suis mis aussi aux platines, je faisais mes petits mix. Et puis, fil en aiguille, ben, je me suis mis effectivement à composer, à beatmaker. Et donc, pour moi, c'est un peu. De toute façon, le hip-hop, c'est quelque chose que je consomme de A jusqu'à Z. Donc, DJing, rap, danse, voilà. Moi, j'aime le hip-hop en son intégralité, quoi. Sur l'album d'NTM, j'ai composé le morceau qui s'appelle That's My People, le solo de Kool Shen. Il se trouve que pour la petite histoire, j'avais été faire écouter des morceaux à Bustaflex en studio, donc c'est Kool Shen qui réalisait son album, et donc il a écouté différents sons, et notamment l'instru de Chopin, j'avais samplé Chopin pour faire un morceau. Il a vraiment adoré ce morceau, et il avait des paroles qui collaient à merveille à la musique. Et à partir de là, il a choisi cet instrumental, et puis That's My People, voilà, le son de NTM. Alors Royal Work, ben c'est une belle aventure dans le sens où effectivement mes amis m'ont fait remarquer que j'étais le premier artiste hip-hop à sortir sa marque de vêtements, en France en tout cas. Donc ça c'était en 99. En même temps que des Jay-Z, donc c'est plutôt sympa comme dynamique de travail. On n'était pas en retard, nous les Français qui le sommes souvent en général. Donc voilà, Royal Wear, une marque avec un logo, une couronne, un R qui symbolisait aussi le sens de donner la couronne au peuple, quelque part. Donc voilà, Royal Wear, 10 ans à peu près, peut-être un petit peu moins, mais d'une aventure assez incroyable dans ma vie, en tout cas dans le sens où ben, on est parti de rien. Ma mère a cousu des étiquettes à l'époque dans les t-shirts, de fil en aiguille, j'ai rencontré des investisseurs, on s'est retrouvé à avoir 3 étages dans le centre de Paris, dans le 3e arrondissement. Avec des soirées d'inauguration avec les neveux de Michael Jackson, d'Eric et des Ramsey, enfin plein d'artistes. Donc ça a été une belle ascension. Il s'est passé plein de belles choses. Snoop Doggy Dogg qui m'a rendu visite dans mes bureaux. J'avais fait construire un studio également. Il nous avait même, pour me remercier, il m'a fait un morceau d'ailleurs. Il faudrait qu'un jour je le fasse découvrir. Donc voilà, l'aventure Royal Wear, plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Malheureusement, une aventure qui se termine mal parce que des mauvais partenaires un peu escrocs sur les bords. Mais toujours est-il, voilà, une belle aventure dans ma vie, quoi. Voilà pour l'aventure Royal Wear. On a fait pas mal de belles choses, hein. Notamment on a fait un parfum, on a été récompensé par Marionneau, des événements, des photos, enfin beaucoup de choses, quoi. Une très très riche aventure, quoi. Malheureusement, elle aurait pu se terminer mieux que ça, quoi. Non, enfin après c'est pareil, j'ai la vidéo aussi qui va avec, hein, quand il est venu chiller toute la journée et qu'il pouvait plus partir tellement il se sentait bien. Et pour remercier de ce bon moment, effectivement il a fait ce titre, malgré que son management lui disait non, non, tu peux pas faire ça. Il a dit si, si, voilà, pour remercier, je me sens bien ici. Et
Donc ils nous ont offert ce titre. Alors le single, je voulais, effectivement, pour la petite histoire, c'est, comment dirais-je, j'avais rêvé d'un morceau quelque part dans mes rêves. J'avais l'impression d'écrire des paroles et de vouloir me réveiller avec le texte. Malheureusement, chose que je n'ai pas réussi à faire, mais toujours est-il, quelques semaines plus tard, j'écrivais un morceau, un braquage dans une cabine téléphonique, d'un braquage après une scène dans une cabine téléphonique, et en l'occurrence, j'ai recraché quelque part cet enfermement social dans le sens où on ne fait pas vraiment ce qu'on veut dans la vie. Donc quelque part, c'était un peu une façon d'extérioriser ce morceau, c'est-à-dire le mec qui se met une balle dans la tête parce qu'il en a marre de cet enfermement, il a envie de que sa vie soit plus belle, qu'il se passe de meilleures choses. C'est d'une certaine façon voilà, le reflet d'une vie sans être, c'est tout son relief, sans être exactement la même chose, mais voilà, au bout d'un moment, quand tu fais des boulots qui ne t'intéressent pas une seconde, tu as envie de vivre de tes passions, t'exploses, et en l'occurrence, c'est ce qu'on retrouve un peu dans ce morceau, quoi. Beaucoup de temps, écoute. Je voulais faire de mal à personne, je voulais qu'on ait plus de fric, je voulais qu'on puisse un peu kiffer, je voulais que notre vie soit fantastique, je voulais te couvrir de cadeaux, t'offrir ce qu'il y a de plus beau, je voulais te sortir de cette rengaine de merde, métro, boulot, dodo, seulement c'est pas avec ma musique. Alors comme je te disais tout à l'heure, effectivement l'aventure Royal War c'était une grosse aventure, et qui s'est mal terminée, et c'est vrai que, bon voilà, j'ai un texte aussi qui va sortir sur mon prochain album, où ça traite effectivement de ce passage, ça parle de jalousie, trahison, hypocrisie. Et en l'occurrence, au bout d'un moment, avec effectivement une locomotive comme Royal War qui va à fond et qui s'arrête net parce que tu as les associés qui sont plutôt des escrocs qu'autre chose, et voilà, tu t'arrêtes et tu te poses des questions, tu te poses des questions à savoir si tu as vraiment envie de continuer dans ce domaine, parce que le hip-hop aussi c'est un milieu particulier, surtout le rap français, quoi. Voilà, si c'est vraiment ce que tu as envie de faire dans ta vie, et donc j'ai pris le temps de. Effectivement, il y a de la déception dans tout ça. Et puis, un manque d'inspiration également. Donc, j'ai pris le temps d'attendre, de me poser les bonnes questions, puis d'attendre aussi que l'inspiration revienne. Et puis, justement, je ne voulais pas n'importe quelle inspiration, en tout cas quelque chose qui fasse vraiment vibrer et qui me donne envie de foncer. Et en l'occurrence, il a fallu 10 années pour ça. Et aujourd'hui, j'ai trouvé enfin quelque chose qui me motive à fond et qui me donne envie de repartir de plus belle, quoi. Pour le style que je définis comme la street rock music, en fait, je me suis inspiré de rien en particulier, si ce n'est que j'aime l'énergie du rock. J'aime l'énergie du rock, donc j'aime la façon dont le spectre, c'est-à-dire les guitares sèches qui peuvent te donner une mélancolie incroyable, ou les guitares électriques qui te donnent de l'énergie incroyable, donc j'aime ce spectre, donc je me suis retrouvé là-dedans. Et c'est vrai, quand j'ai fait le morceau On ne vit qu'une fois, donc je me suis retrouvé à Los Angeles à me poser effectivement les questions dont je te parlais tout à l'heure, à savoir si j'ai envie de continuer dans cette voie, si j'ai envie de faire autre chose. Très rapidement, je me suis rendu compte que voilà, je suis un artiste urbain et que tout ce que je sais faire, en tout cas de mieux, c'est là que ça se passe. Donc j'ai retrouvé l'inspiration au fur et à mesure. C'est vrai que dans ce clip, On ne vit qu'une fois, me retrouver seul à Los Angeles face à des étendues de paysages, c'est vrai que je me suis ressourcé, donc ça m'a permis de repartir avec cette nouvelle dynamique, avec toute cette inspiration qui m'a fait créer effectivement la marque Rock the Street, le mouvement street rock, que j'appelle le mouvement street rock effectivement. Donc quelque chose de neuf. Même si en France, effectivement, les gens n'aiment pas trop le changement. Moi, je le fais avant tout pour moi. Donc, si les gens adhèrent, tant mieux. S'ils n'adhèrent pas, tant pis. Mais en tout cas, ce que je suis sûr d'amener, en tout cas, ce que je veux vraiment amener, c'est de la qualité. Et je me bats pour ça. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, en tout cas, c'est qualitatif, quoi. Alors pour te parler de ce morceau, en tout cas, comme tu me l'as demandé, le morceau, en fait, c'est un morceau bol d'air, en fait, sans prise de tête au niveau du texte. Tu vois, je me suis pas dit, tiens, je vais écrire un superbe texte, non, plutôt un texte « We don't give a fuck », hein, on n'en a rien à foutre, quoi. Dans le sens où, effectivement, quand tu es en soirée avec tes potes, tu bois un peu, tu t'éclates, c'est bien d'entendre ton son aussi, un son où tu te prends pas la tête, voilà, t'entends des lyrics et c'est la fête sans se poser de questions. Donc il est fait dans cet esprit, parce que ce que j'aime moi dans mes morceaux, en tout cas dans la façon de concevoir un album, c'est qu'il reflète le relief de la vie, c'est-à-dire à des moments où t'es en soirée, donc t'es le son de soirée qui colle, des moments où t'es plus mélancolique, des moments où t'es amoureux, des moments, tu vois, donc j'essaie d'avoir un album qui correspond au relief de la vie, quoi. Voilà pour ce son, donc effectivement des lyrics qui volent pas spécialement haut, mais une vraie volonté de le faire comme ça en tout cas. Et voilà, juste une vibe en tout cas, juste une vibe et de l'énergie dans les guitares, quoi. C'est parti pour du bon
après le choix du métro, ben c'est vrai que moi je prends le métro, parce que de toute façon c'est pareil, c'est une source d'inspiration, ne serait-ce que pour la mode, tu vois les gens comment, tu vois comment s'habillent les gens. Pour plein d'autres choses, hein. T'as le temps de réfléchir aussi dans le métro, d'observer, ça c'est sûr. Donc pourquoi dans le métro? Ben c'est vrai qu'en observant, ben, tu dis putain mais ça serait bien, parce que c'est vrai que les gens souvent ils font la tronche aussi dans le métro. Donc ça serait bien aussi d'aller chambouler tout ça, d'aller réveiller le truc avec en faisant un clip dans le métro, ça peut être original. Donc voilà pourquoi, et puis c'est vrai que sentir libre aussi, dans le sens où voilà on fait ce qu'on veut où on veut, en tout cas prendre ce parti pris. Ensuite, par rapport au métro, si je pourrais me dire de plus, bah, le métro c'est un lieu totalement urbain, tu vois, qui correspond complètement à ce que je développe. Donc voilà, ça sonnait bien de le faire là. Et du coup, j'ai appelé quelques potes, puis eux ont appelé d'autres potes. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvé à plus de 130 et bonne ambiance, quelque chose d'original, d'atypique, on l'a vraiment tous bien vécu. Très bon souvenir, quoi. Souvenir dont tu te souviens toute ta vie quelque part. Foutre un bordel comme ça dans le métro, en tout cas c'était du positif. Effectivement, tu disais qu'il y avait des gens déguisés. Bon, je voulais un mec en lapin, dans un lapin, dans une tenue de lapin. Donc en l'occurrence, on a eu un lapin rose de plus de 2 mètres. On a eu également un crocodile, toi, juste pour le délire de la chose, quoi. Donc voilà, c'est que de la bonne énergie, un bon moment, quoi. Donc, Rock the Street, c'est ma nouvelle création textile, mais ce n'est pas uniquement, ce n'est pas qu'une marque de fringues en fait, c'est vraiment un mouvement dans le sens où, on rend hommage à tous ces riders, ces freestylers, ces stylers, ces gens qui aiment le sport extrême, tous les artistes urbains, quels qu'ils soient. Et donc à travers cette marque, effectivement, on collabore avec des gens du skateboard, du BMX, de la danse et plein d'autres choses encore. Donc effectivement, la marque est symbolisée par un X, le logo, un X qui symbolise la croisée des rues, des univers. Que te dire de plus, en plein développement, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est quelque part dans une ère Red Bull, et c'est vrai qu'on marche un peu dans ces pas-là sans faire la même chose, parce que nous on n'est pas une boisson énergisante mais une marque de fringues, mais c'est vrai qu'on a des gens qu'on sponsorise qui touchent un peu au domaine du sport extrême, en tout cas sport extrême et des artistes également. Donc on essaie d'avancer quelque chose, on essaie de faire avancer un mouvement, pour moi c'est le mouvement Rock the Street, le mouvement Street Rock. Donc faire bouger les choses, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans une époque où tout est difficile. Donc on essaie de serrer les coudes avec des gens qui ont envie d'avancer dans la vie artistiquement. Et donc c'est sous la bannière Rock the Street, effectivement on se retrouve avec beaucoup de gens. Donc on se retrouve à avancer avec beaucoup de gens, à vouloir construire quelque chose. Et voilà un peu la mentalité de la marque. Et que te dire de plus, donc y a pas mal d'événements, on bouge sur des événements de danse, des contests de skateboarding, donc on sponsorise sur différents événements, en tout cas on est toujours là, on n'est pas juste en train de dire tiens on va faire ça, mais on le fait pour de vrai, on part avec l'équipe, s'il faut partir à Dunkerque, on part à Dunkerque, on emmène tout le matériel, et puis on suit les gens qui veulent marcher avec nous, on leur donne la force comme ils nous la donnent, donc c'est un réel échange. Quoi de plus, ben on va bientôt trouver effectivement les fringues en vente. En un premier temps, on peut les trouver sur notre site internet, mais prochainement, on pourra les trouver effectivement sur des points de vente dans les villes, à commencer par Paris. Voilà, donc ça c'est pour la petite parenthèse Rock the Street. Et c'est vrai que c'est une marque qui me tient vraiment à cœur, qui est un peu qui concrétise un peu toutes mes idées, mes envies et ce que je suis aujourd'hui. Donc voilà. Donc effectivement, le prochain single s'appelle Pensée. Donc mon guitariste, il chante vraiment très très bien. En l'occurrence, c'est lui qui fera les refrains sur ce morceau, refrain anglais. C'est un morceau qui a un très gros potentiel à mon sens. Il est vraiment très agréable à l'écoute. On va le clipper courant décembre, la quinzaine de décembre, avec des réalisateurs de cinéma. Donc ça peut, voilà, ça risque d'être quelque chose de très sympa. En tout cas, je me suis appliqué sur ce morceau, je vais m'appliquer sur le clip et voilà, j'espère qu'il plaira, quoi. Le prochain album, pareil, début 2013, sortira. Bah, de toute façon, l'album est une surprise à lui tout seul, quoi. Donc après, les featuring aussi. Mais bon, ce sont pas forcément... Voilà, mon but n'était pas de chercher des rappeurs français connus. C'est pas pour... forcément ce qu'on attend. Non, c'est pas mon envie, en tout cas, sur cet album. Bah, c'est de la même façon, en 2013, on va commencer à informer les gens des concerts. J'espère que les gens viendront nombreux, parce que... Voilà, on va ramener un réel univers et voilà quoi à suivre.